des qualités que doit posséder le futur chef spirituel consiste à utiliser la miséricorde avec une grande précision pour être capable de diriger le peuple d'Israël comme Moshe Rabbeinu a su si bien le faire. Il doit prendre en compte respectivement les besoins de ceux dont le niveau spirituel est très élevé et à l'opposé les besoins des personnes qui sont très éloignées de Dieu. Le tzaddik authentique doit guider différemment les deux catégories de gens. À ceux dont la perception de Dieu est très élevée, il doit montrer qu'en réalité, ils ne savent rien de Dieu. Ceux, en revanche, qui se sentent si bas qu'ils dorment dans la poussière, requiert une approche différente. Le tzaddik doit les élever et les encourager. Il doit leur montrer qu'ils sont en fait très proches de Dieu et qu'ils peuvent toujours le trouver car toute la terre est remplie de sa gloire. Le verset qui évoque ceux qui dorment dans la poussière fait allusion à Yoshua, Josué, qui se lie ainsi à ceux qui se trouvent au niveau les plus bas, ceux qui sont considérés comme spirituellement morts. Eux aussi peuvent sortir de leur torpeur grâce à ce disciple s'ils se contentent d'exprimer leur volonté de recevoir sa lumière, reflet de celle du tzaddik authentique.